Bonjour madame, j'y viens chercher mes enfants s'il vous plaît. Ah ben je me rappelle plus comment ils s'appellent. Je leur donne des surnoms, je les ai appelés les enfants. Attendez, je vais appeler ma chérie. Allô, Christiane? C'est Christian. Dis donc. Tu sais comment ils s'appellent nos enfants? Ah ben, m'engueule pas, viens avec le livret de famille, je t'attends dans la cour. Je les attends dans la cour, madame maîtresse. Non, ça ne me dérange pas. Salut, gamin. Alors, comment ça va? Viens par ici, toi, s'il te plaît. Dis donc, tu as déjà vu ces gamins-là? Tu connais pas? Ils s'appellent les enfants. Non, j'ai pas donné un surnom, justement. T'as pas un surnom, toi? Comment ils t'appellent? Geoffroy? Oh lolo, tu vas te faire avoir, hein? À chaque fois que tu vas dire ton prénom, il y a quelqu'un, il va dire « T'as qu'à t'habiller !» Bah ouais. Et toi, comment il t'appelle, toi? Sylvain? C'est pas mieux, Sylvain. Sylvain est bon, faut le tirer. Eh ouais. Bah ouais, hein. Allez. Ouais. Salut, petit gars. Toi, comment t'appelles? Alphonse? Ah bien, voilà un surnom. Ah non, c'est ton prénom. À mon avis, en France, tu devrais trouver un surnom parce qu'il n'est pas prêt de revenir à la mode, celui-là. Bah, je sais pas quel surnom tu pourrais avoir. Tu aimes quoi dans la vie? La Formule 1? Eh ben, t'as qu'à te faire appeler Ilfonce. Oh, Alphonse, ça ne changera pas beaucoup. Oh putain, le four. Qu'est-ce que je passe? Vous avez des surnoms, par exemple? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Audimat? Bah, je vois pas le rapport là. Pourquoi tu t'appelles Audimat? Parce que le matin tu descends à l'école et le soir, comme tu as envie de rire, tu remontes pour 18 heures. D'accord, c'est pas mal. Personne n'a compris, c'est pas grave. Oh, petite fille, petite princesse, et toi, comment tu t'appelles? T'as un surnom? Loto. C'est mignon. Mais c'est mignon, et pourquoi t'es un surnom comme ça? Parce que tout le monde rêve de toi, mais personne ne t'aura jamais, d'accord? Je suis content, ça a marché, là, alors. Non, j'ai pris deux fours, ça, pas grave. Alors, les enfants, je vais vous poser une devinette, parce qu'on parle des prénoms. Alors, on parle des prénoms, et si là, mon drap tiendrait pas, il partirait, mais il tient, voilà. Petit trou de mémoire, mais on revient, voilà. Alors, ça y est, je suis revenu. Les enfants, je vais vous poser une devinette. Monsieur et Madame Tableau ont une fille. Comment elle s'appelle? Ah bien, elle s'appelle Evelyne. Non, il n'y a pas de rapport, elle a le droit de s'appeler Evelyne, c'est tout. Alors. Ouais. Ah oui. C'est comme ça. Comment ça? Oui, moi aussi, j'ai un surnom. Je m'appelle Babas. Ah ouais. Eh bien, parce que quand j'étais petit, je jouais à la Babas. Et les Babas, à Lyon, c'est les flippers. Oui, c'est pour ça que je m'appelle Babas. Parce que tout le temps là-bas. Oh! Il y a Christiane, elle arrive. Bah, quand même, Christiane. Mais dedans. Vous pouvez faire la gueule, hein? Les vraies familles. Ah, bah avec le surnom que j'ai, j'aurais dû m'en douter que je les avais appelés comme ça. Game over, shoot a gun, vous êtes où? Babas et ses surnoms. C'est en tout cas le choix qu'on lui avait imposé. Sujet assez difficile finalement, mais on pensait que pour Baba, c'était pas mal, les surnoms à l'école. Parce que c'est un univers qui lui va bien, l'univers scolaire. Il nous rappelle, c'est vrai, un peu nos années passées sur les bancs. Voici vos notes sur 20, Baba. Jean-Luc Moreau vous donne 15 sur 20. Catherine Barma, 15 sur 20. Jean-Bendigui, 15 sur 20. Oh, ça méritait bien 16.
abonnez-vous en cliquant ici.